Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul DM. Donc, voilà, comme je vous l'avais dit dans le précédent vlog, hier pour moi, on a été chez DM en Allemagne. On est passé chez Kik, on est passé au Lidl en Allemagne aussi, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Et voilà, je vais vous montrer. Alors je vois que finalement j'ai pas j'ai pas grand chose en beauté. Les gels douches, maintenant on prend plus que les éditions limitées, puisque les autres on les a déjà testés, et ceux qu'on aime bien, quand on en a plus, on les reprend. Sinon on ne les reprend pas, bien évidemment. Et d'abord, enfin après on est passé chez Kik, mais je vais vous montrer ça en premier. Donc vous verrez dans le vlog mercredi un peu ce que c'est comme genre de magasin. Je vous ai filmé un petit peu les deux magasins. Alors d'abord j'ai pris de l'eau comme ça de ciboule. C'est effet... c'est pas des poils, c'est effet mousse comme ça, effet neige. C'était 29 centimes les deux. Enfin le lot quoi. J'en ai pris deux comme ça, je vais pouvoir faire... j'ai un petit bricolage avec des perles que je voulais faire. Donc là, je vais pouvoir les faire avec ceux-là. Et voilà. Mais moi, je suis déjà à fond dans Noël. Hein. Je ne cherchais pas à comprendre. J'ai pris également ce petit lot de pinces, de mini pinces à linge. Enfin, ce n'est pas des mini-mini, c'est pour ça que je les ai prises. Pour, parce que j'aimerais bien, au-dessus de mon bureau, me faire... soit mettre, vous savez, les grilles là, pour les photos ou un truc comme ça, pour pouvoir mettre tous mes petits post-it, en fait, puisque sinon, j'oublie tout. Et comme ça, j'ai le visu directement dessus au lieu de les perdre. Et là, c'était 1,49€ les 24 pinces à linge. Et pour terminer, donc vous voyez, j'ai été très raisonnable dans ce magasin. Je me suis repris un recourbe cils. Moi, j'ai le Catrice, mais il est en haut pour quand je fais les vidéos. Et quand je me maquille en bas, bah, j'en ai pas. Donc, je mettrai celui-là en haut parce que je me maquille moins souvent en haut. Et je mettrai le Catrice en bas. Et voilà, comme ça, j'ai un recourbe cils. De toute façon, ils font la même chose. Hein. Et vous avez deux mousses de remplacement aussi pour 1,90€. Alors, on va passer chez DM au truc... on s'en fout un peu. J'ai d'abord pris du WC Hent Canard. Donc, le canard WC. Vous savez, les recharges pour le... Je sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là. Vous savez que vous appuyez dessus et que vous avez les pastilles qui collent dans la cuvette. Et c'est Garden Escape, l'odeur. Voilà, il y avait Tropical aussi, mais comme je ne suis pas trop fan des odeurs tropicales, Fruit de la Passion et tout ça, on a pris celui-là. Ça a l'air d'être enfin, c'est de la rose. Il y a l'air d'y avoir du bambou. Ils expliquent pas trop, ou alors ils expliquent, mais pas en français. Si, mais pas les odeurs. Pour rester dans le ménager, on a acheté du sel pour le lave-vaisselle. 2 kilos. Et c'est pas en grains, c'est en poudre. Enfin, c'est vraiment des tout petits cristaux. Donc voilà, chérie, vous voulez essayer ceux-là. On verra bien. C'est jamais perdu. C'est de la marque DM. Hein. Vous voyez ici au-dessus. Voilà. Ils ont beaucoup de trucs de leur marque. Alors j'étais dégoûtée parce que les calendriers n'étaient pas encore rentrés. La caissière m'a dit dans 2 ou 3 semaines. Donc il faudra que j'y retourne. On a pris une boîte de mouchoirs en papier, voilà, tout simplement. Il y a 160 tucs dedans, donc c'est aussi de la marque DM, mais ça a l'air d'être vraiment 100% naturel, recyclé et tout ça. J'ai repris des sacs zippés de congélation en 5 litres pour mettre la bouillie des titis. Voilà, c'est tout simplement congeler la bouillie des titis. En parlant de bouillie des titis, j'ai racheté de la farine pour bébé, puisqu'il m'en faut pour le renfaire. C'est bio, c'est de la marque DM, c'est aux 5 céréales, je suis plus très sûre, non c'est à la farine de blé je crois. Donc pour savoir exactement ce que j'achète, vu que je parle pas allemand, ce que je fais, je vais sur le site d'abord, je screen, vu que le site est traduit, je screen ce qui m'intéresse, comme ça j'ai les explications de ce que c'est et je sais retrouver dans le magasin, c'est beaucoup plus facile. Pour rester chez les bébêtes, on a acheté ça pour les chichous. C'est de l'herbe séchée avec des petites du foin, des pissenlits. Ça, ils adorent les pissenlits séchés. Ils disent pas trop ce qu'il y a dedans. Ça a l'air d'être beaucoup du pissenlit.
Ouais, j'ai l'impression, hein, c'est un peu... voilà, c'est des herbes séchées, tout simplement. Et ça, ils aiment beaucoup. C'était pas bien cher. On a fini pour les produits un peu ménagers. On va parler un peu santé. Déjà, je me suis acheté de la colle pour mes dents. Puisqu'elle est géniale, cette colle. Elle est vraiment pas chère. C'est une des moins chères que je connaisse. C'est la Blend à dents. Je ne sais pas du tout si c'est une marque... ça a l'air de ressembler un peu... je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. C'est pas le Fixodent. C'est pas le Corega non plus. J'ai l'impression que c'est une ancienne gamme qu'on a plus par chez nous. Mais franchement, c'est une des moins chères que j'ai trouvées et c'est une des plus efficaces. C'est une des seules le soir où je suis moins emmerdée, que j'ai pas les dentiers qui se décollent. Donc c'est tout bénef. J'ai pris deux boîtes de pansements. Donc j'ai pris des Aqua et tout simplement une bandelette à découper. Parce que comme je me blesse tout le temps, j'ai tout le temps besoin de pansements. Ici, c'est un truc de fou. Je me blesse énormément les doigts. Et à force de chipoter des fois mes ongles, arracher les petites peaux et tout ça, ben, je me fais carrément des grosses crevasses qui font super mal. Donc je suis obligée de mettre un pansement, sinon j'arrête pas de me cogner dessus et je hurle. Je me suis repris, donc ça j'ai pris à peu près tout par deux ce que je vais vous montrer là. J'ai repris du magnésium et vitamine C. Parce que pareil, il est vraiment pas cher. Par rapport à celui du Action, il y a de la vitamine C, du B6 et du B12. Enfin, de la vitamine B6 et B12 en plus dedans. Donc, c'est plus avantageux que juste le magnésium chez... comment est-ce qu'il s'appelle ? Chez Action. J'ai pris pour tester, donc là j'ai pris deux, mais deux différents. La marque Mivolis, ça c'est spécial DM aussi. Les produits ne sont vraiment vraiment pas chers, donc tout ce qui est santé j'achète dans cette marque. Mais j'ai quand même pris l'autre, donc c'est exactement la même chose, hein, sauf que c'était pas le même prix. Et je ne sais pas s'il y en a une qui est plus efficace que l'autre. C'est pour les intestins et l'estomac. C'est pour soigner en fait, éviter les douleurs, un peu purger je pense. Et je me suis dit que j'allais essayer ça, donc je vais essayer dès aujourd'hui. Et voilà, tout simplement, on verra si ça me fait du bien. J'ai commencé à prendre tout ce qu'il fallait pour l'hiver, hein, pour les rhumes. Donc déjà, j'ai pris deux fois, bien évidemment, le spray nasal sensitive. Tout simplement, c'est un spray nasal, hein, voilà, qui est pour les nez, le nez encombré, pour se décongestionner. J'ai pris également le sirop. Alors vous avez plein de gammes différentes. Hein. Moi j'ai pris celui-ci parce que c'est au miel et je ne sais plus. Et on peut l'utiliser le jour et la nuit. C'est pas un qui fait dormir. Et j'ai également pris les pastilles pour la gorge. Si ma mémoire est bonne, c'est au plantain. Forcément tout est écrit en allemand, donc mais il me semble que c'est au plantain. Enfin bref, c'est des pastilles pour la gorge, vous avez 30 comprimés. Alors, chérie a abusé un petit peu sur les déos. Bon, après, ils sont à 3 hommes ici, hein, comparé à moi. Moi, j'en ai pas repris parce que j'en ai encore. D'abord, il s'est pris un rasoir et des lames. Donc, le rasoir, il est comme ceci. Il en a plein, hein. Je sais pas pourquoi il se l'est acheté, mais voilà. Donc, Balea Men, hein. C'est carrément de la marque Balea, qui est une marque spéciale DM, hein. Et 5 lames, comme le calendrier d'avant que je n'ai absolument pas trouvé. Et il a pris 4... il a pris deux fois les mêmes à chaque fois. On aime bien prendre tout par deux chez nous. Il a pris deux déodorants Balea Men en spray. Donc il y a le Dark Elegance et le Golden Intense. Voilà, donc là c'est juste des déos spray. Et il a pris deux de chaque, donc ça fait 6 cette fois-ci, des déodorants bi. Antitranspirant, sensitif, sans aluminium et extra dry, fraîche et extra dry. Voilà. Avec celle-là, c'est des déos bi. Et ça, c'est pratique pour Sam quand il va à l'école pour le sport et tout ça. Alors à ce moment-là, il les met dans son sac. On a repris un savon pour les mains, donc ça on en a pris qu'un parce qu'on en a encore au moins 3 ici. Mais là c'était la collection de cet été, la Summer Paradise. Ça sent énormément la coco, ils sont très bons, hein. J'ai le gel douche également et ils sentent très bon.
sent très bon à coco. Voilà, tout simplement. Il y a un petit peu, c'est de la fleur de tiare, je pense, qui est dessinée ici, là. Je me suis repris des patines, parce que les patines, elles sont moitié prix de chez nous. Voilà, j'en ai pris 3, j'en ai déjà fait une sur ma tête, donc là je vous en montre que 2 que j'ai fait hier, j'en ai fait une hier soir. Je vais exprès principalement pour ça et les gels douches, parce qu'on adore les gels douches de chez Balea. Les packagings sont trop cute, les odeurs sont géniales et ça change vraiment, toutes les saisons ils changent en fait les éditions limitées. Donc on a rarement la même odeur sous la douche. Donc j'ai pris bien évidemment le Summer Paradise, puisque c'est le seul qu'on n'avait pas encore dans cette gamme là. Et en crème de douche, j'ai pris celui-ci. Alors j'adore le nom, le Nice to See You. Vous allez voir comment c'est écrit si, c'est si pour la mer, parce que c'est des petits phoques. Voilà, voilà, trop beau, les packagings sont vraiment trop cute. J'ai repris un loutre aussi pour DJ, parce qu'il y a une loutre. Et ça sent divinement bon. Je ne sais pas dire ce que ça sent à chaque fois, mais oh, ça sent trop bon. Et les packagings sont tellement cute. Et en plus, c'est sans microplastique et tout ça. Donc, c'est bon pour les océans et la nature. 99% d'origine naturelle. Et le packaging est 100% recyclable. Donc, je trouve que DM fait vraiment des produits très corrects. Je me suis pris, parce que j'avais jamais pensé à le prendre, le démaquillant biphasé. Comme ça, je vais pouvoir le tester. Parce que je crois qu'il est moins cher que celui de chez Action. Il me semble qu'il est à 99 centimes, je ne sais plus. Et que chez Action, il est à 1,19€. Voilà, je testerai celui-là. Je prends toujours du waterproof, même si j'utilise pas de waterproof, mais ça démaquille mieux. Je me suis pris deux patchs. Enfin, deux paires de patchs pour les yeux. Je prends... Voilà, suis au fruit du dragon, là, il y est tout le temps. Il y avait, franchement, il n'y avait plus rien en stock dans les masques et compagnie. Donc, j'ai pris les deux là, tout simplement. Parce que j'aime bien ce genre de patch. J'ai repris une petite loutre, pour moi. Donc, j'ai pris le même gel douche à DJ pour... parce que c'est une loutre. Je ne voulais pas trouver le savon pour les mains, par contre. Et je me suis pris celui-ci juste parce que j'adorais. Déjà, c'est coco et ananas, ça doit sentir super bon. Mais j'adorais le packaging. C'est une édition limitée, donc ils sont beaucoup plus chers. Donc voilà. Et en fait, c'est les deux masques, les deux seuls masques mignons qui restaient, parce que tous les autres, c'est les classiques qu'il y a tout le temps, en fait. Voyez. Là, c'était vraiment pour les éditions limitées. Et voilà. Donc, je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir... en prendre plus, mais j'en ai encore énormément en stock. Bien sûr, il y a des choses que j'ai pris en double pour vous, pour mettre dans le concours de Noël, mais je vous dis pas quoi cette fois-ci. Je me suis pris la gamme complète cheveux Silver Glance. C'est exprès pour les cheveux gris, en fait. Donc j'ai pris le shampoing, j'ai pris le spulung, donc si je dis pas de bêtises, c'est l'après-shampoing, et j'ai pris le All-in-One Spring Pledge. Voilà, c'est un spray anti-effet jaune et tout ça. Il faudrait que je relise exactement sur le site, mais j'aime beaucoup. Dans leur gamme, ils ont, enfin dans leur marque, ils ont vraiment toutes les gammes inimaginables. Ils ont pour le volume, pour les couleurs, ils ont pour les pellicules. Ils ont franchement toutes les gammes comme ça. Là, j'ai pris le spray avec parce que j'adore sprayer mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est j'adore ça. Oups, pardon. Toujours en soins cheveux, j'ai pris le anti-frizz, donc c'est un spray anti-frizzotti, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Je vais le sentir parce que du coup, je ne les ai même pas ouverts, tous les produits. Hein. Oh, il sent quelque chose que je connais. Il sent la banane. J'ai l'impression qu'il sent la banane. Il y avait même des soins spéciaux pour la nuit, pour les cheveux. Je vais sentir celui-là parce que j'ai pas senti la gamme non plus. Ils sont super bons, ça sent le frais. Ça n'a pas une odeur, par contre, je me suis foutu sur le nid. Ça n'a pas une odeur particulière, ça sent vraiment le frais, le propre. Un peu comme la lessive en fait. Et pour terminer, j'ai pris un soin, c'est de nuit justement,
un soin à la kératine pour la nuit. Voilà, donc il faut que je lise comment ça s'utilise, hein, parce que c'est pas très clair. Ça sent bon aussi. Ça sent pas trop fort. Bah, ça tombe bien parce que pour la nuit, c'est toujours un peu plus délicat s'il y a des odeurs vraiment parfumées. Et j'ai pris le Extreme Last Top Coat Last Angel de chez Essence. C'est une nouveauté qu'ils ont pour faire un effet gel sur le... Enfin, c'est un top coat extra brillant, quoi, voilà. Et je voulais absolument le tester quand Manon l'a présenté dans sa vidéo. J'ai pas craqué sur... Il y avait les vernis ici, sont à 8 euros, hein, comparé à ce qu'ils sont entre 12 et 15 balles par chez nous. Mais comme je veux prendre le calendrier de l'avant ici, je vais pas racheter des vernis... individuel alors que je veux me prendre le calendrier, c'est un peu con, quoi. Voilà, parce que ça revient quand même vachement moins cher vu que là-bas il est à 60 euros le calendrier ici, donc c'est pas énorme pour 24 cases. Et forcément il y a des mini dedans, mais les mini durent déjà hyper longtemps puisque c'est la moitié d'un gros flacon, donc c'est pas non plus c'est pas des échantillons, quoi. Donc voilà, je trouve le prix plus que correct chez eux, hein. Chez nous à mon avis il est le double du prix, hein. Comme les verbes. Donc voilà ce qui conclut mon haul. Vous voyez qu'on a été plus que raisonnable. Après, c'est vrai qu'on aurait dû en avoir pour beaucoup plus cher, puisque normalement j'aurais dû en avoir pour presque 180 euros de calendrier. Hein, mais là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais voir avec Chérie quand est-ce qu'on peut y retourner. Je pense que je vais les commander sur le site pour être sûr qu'ils soient en stock, tous ceux que je veux. Et voilà, on verra bien quand est-ce qu'on y retourne. Après, c'est clair que c'est pas urgent, hein. Il me les faut avant fin novembre. Mais avant qu'il n'y ait plus en stock, quoi, vous voyez, j'ai un peu peur que ça tombe en hors stock. Bref, donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous verrez un peu ce qui se passe, comment est présenté le magasin là-bas dans le vlog mercredi. Je vais filmer un petit peu avec vous notre journée en Allemagne. Enfin, journée, on est à 40 minutes, hein, donc on n'en a pas pour toute la journée. Et voilà, tout simplement. Donc sur ça, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.